Bonjour et bienvenue sur la chaîne Je m'éclate, c'est Licat. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Seigneur Lich, pour nous, le premier boss, on va dire. Alors, ce Seigneur Lich pour Hero Realms, il a la particularité d'être donc traité comme un boss, c'est-à-dire qu'on pourra jouer à 1 contre 1 contre lui ou de jusqu'à 5 joueurs contre lui en fait. Alors, dans son paquet, on va trouver, qui était un peu plus conséquent, à 8 euros quand même, on va trouver la petite règle appropriée avec les explications de ses particularités, avec une notion de joueur adjacent, joueur ciblé, comment il peut gagner de la santé, qu'est-ce qui se passe quand il arrive à vaincre un adversaire et qu'il en reste. Voilà, toutes ces petites particularités qui sont expliquées. Alors, dans son paquet, on va trouver sa carte de présentation, qui est sympathique. On va trouver pour gérer ses points de vie, comme d'habitude. On va trouver une carte contrôle, qui a deux côtés. Donc là, la particularité, c'est que... Alors, lorsque vous mélangez votre deck, comptez le nombre de cartes dans votre deck. Dans votre main et en jeu, ne comptez pas les cartes du grimoire. Donc, je vais vous expliquer ce que c'est le grimoire. Et si le total est supérieur ou égal à 20, la corruption gagne la ville. Les citoyens commencent à suivre vos ordres et vous gagnez le pouvoir ci-dessous. Donc, on gagne ce qu'il y a ici. Donc, après une petite interruption, voilà. Donc, cette carte, une fois qu'on arrive à faire son effet. Il y a des choses intéressantes. Alors ensuite, on a des fioles d'âme. Alors c'est ce qui va définir les nombres de points de vie du boss, du Seigneur Lich. En fait, il y en a 6. Donc si on joue contre un joueur, on va en piocher une au hasard. Et elle va nous donner un nombre de points de vie de départ. Plus... un pouvoir qu'on peut utiliser à chaque phase. Donc elles ont toutes des rôles différents, toutes des pouvoirs différents. Donc ça change un peu la façon dont il va avoir des pouvoirs, ce Seigneur Lich. Sachant que si on joue à plusieurs, si par exemple on joue contre deux joueurs, ça vous le verrez, on aura deux fioles et on retourne la première fiole. On met nos points de vie, on a un nouveau pouvoir. Quand on est vaincu, on défausse cette fiole, on retourne celle-ci, et à ce moment-là, on a ses points plus 30, il me semble. Ça sera vérifié, mais vous le verrez dans la partie. Et un nouveau pouvoir. Voilà, donc les illustrations, les couleurs, bon, c'est Hero Realms, hein, c'est toujours... Superbe. Alors ensuite, on a un grimoire. Alors, un grimoire, ce sont des cartes, il y en a 10, je pense. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, ouais, 10. Voilà. Alors, c'est un petit paquet qui va être en plus au départ pour le Seigneur Lich. Et à chaque fois qu'on aura par exemple sur cette fiole, il y a effectué une invocation. Dans le grimoire, on vient faire une invocation en tirant une carte. Donc on va se retrouver avec ici un serviteur. On peut avoir. Enfin, il y a énormément de serviteurs. Il y a un garde aussi. Voilà, c'est assez varié. C'est sympa. Les illustrations toujours superbes. Donc ce serviteur, il va être devant nous. Si l'ennemi arrive à le vaincre, on le remet ici et on remélange le grimoire. Et il est à nouveau disponible, mélangé dans le pack. Ça, c'est pour le grimoire, ce qui est vraiment pas mal côté gameplay. Alors ensuite, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cartes de main de départ. Voilà, du Seigneur Lich. Alors on a pour avoir des ressources,
On a pour faire X invocation, X étant le nombre de joueurs en face. On a directement 3 dégâts ou assommer un champion, effectuer une invocation, encore des ressources, gagner autant de dégâts que le nombre initial de membres du groupe. Alors le nombre initial de membres du groupe, si on joue contre 2, ben, on a 2. Et ensuite, on a des pièces. Voilà. Donc, hormis ce deck de grimoire, notre main de départ et les fioles de vie, ensuite, on va aussi quand même prendre des cartes dans le marché pour modifier notre deck initial de 10, comme les autres. Donc, on a, enfin, au plus, le Seigneur Lich va avancer dans le temps, au plus, il va gagner des cartes, au plus, il aura l'occasion de corrompre la ville, donc, il faudra essayer, en général, de le tuer rapidement. Voilà, je pense qu'on fera une partie à 2 contre 1 contre ce boss, et puis éventuellement après une partie boss contre boss, j'aurai un autre boss à vous présenter, le dragon. Voilà, donc je crois que c'est dans les 8 euros chez Philibert à peu près, donc vu la quantité de cartes, la jouabilité que ça rajoute, je trouve ça très très bien. Voilà, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Si cette vidéo vous a plu, un petit like et pourquoi pas vous abonner. À bientôt. Au revoir.